times in my life. We worked on the translation. I'll be reading in a few minutes or a few seconds some excerpts from this translation. So I haven't had the chance to get to know like both of you, I suppose. But while translating him, I discovered his poetry, and let us say it just grew on me. And so I know that I was told by Georges that later on there may be probably be hearing John reading a text in the metro, so I'll read the French translation of this, and if I have time, I'll read two or three other poems that I translated. So let's start off with the in the metro. And you read the interview, so I thought that I could also read that translation. Dans le métro, ils passent à côté de moi, j'entends leur voix, leurs pas, respire leur parfum et parfois leur rentre dedans tête première. S'en suivent des excuses et je les imagine bouche bée, leur cerveau se bouscule pour lancer un commentaire ou changer d'attitude et se hâter à offrir de l'aide plutôt qu'un juron. Certains s'enlèvent de ma route au moment où ma canne leur fait un bleu à la cheville. D'autres m'ignorent, quelques-uns me serrent le bras, prêts à me soulever de terre. C'est moi la coqueluche des usagers du métro. Ma canne se fraye un chemin jusqu'à la porte, trouve un débouché, plusieurs se lèvent d'un coup pour m'offrir une place. Gentes dames et gentils messieurs, merci. Voici le genre humain à son meilleur, je dirais. Voici le summum du raffinement de l'espèce. J'entends leur cerveau s'animer. Je les regarde en train de me regarder. Les lunettes noires m'empêchent de voir leurs yeux. Leur horloge urbaine chasse leur angoisse et les empêche de voir au-delà de mon moi extérieur. Je tiens à les rassurer, à leur murmurer à l'oreille. Cette réalité fait moins mal qu'un coup d'épée dans l'eau partant gris. Tout le reste de ce qu'ils voient marche sur des roulettes. Nous apprenons tous à nous adapter. Entre nous, le bandeau n'est qu'une fine pellicule de mousse et nul ne peut entrevoir ce qui nous attend tous à la station suivante. Dans cette voiture de métro, tous nous subissons les conséquences de la nuit d'avant et supportons les mésaventures de notre passé. Tous nous parlons aux murs ou aux portes ouvertes, à nos chats ou à un verre de vin, au vide ou à la passion qui confère un sens à la musique. C'est l'écouter dans les moments de bonheur ou de tristesse, et nous attendons que l'amour du petit jour reste le même la nuit venue. Essayons de savoir, avant le prochain arrêt, combien de huards dansent sur la pointe d'une aiguille. De milligrammes de démocratie peut contenir un sac à main. De baisers peut supporter un amoureux avant que ses lèvres ne s'usent. Et combien de morts il nous faut causer avant de savoir notre peau mortelle. Prenons tous les secrets cachés dans nos poches. Échangeons nos péchés avant que l'opérateur ne nous fasse payer pour cette assemblée. Un aveugle est un trésor national parmi vous, un symbole, une métaphore de toutes vos idoles. Et puis, quel public extraordinaire vous êtes. Permettez-moi alors d'exposer mes théories. Gâtez-moi. Permettez-moi de vous dire là où d'autres ont échoué. Le monde où nous vivons est tel que nous l'avons fait. Un jour, gens de dame, je vous ferai tout l'amour. Et messieurs, je vous garderai dans ce poème tel que vous êtes. Merci d'avoir voyagé avec nous. Bonjour. Ça serait très bien. J'aime bien aussi le poème qui s'intitule L'entrevue, comme par hasard, c'est le texte qui suit dans le livre. Alors, vous avez entendu l'original, vu par madame,
Alors voici ma traduction d'entrevue. Tout le monde est impressionné, ravi de faire ma connaissance. J'ai tout, de l'éducation, des prix, de l'expérience et la beauté. D'une entrevue à l'autre, c'est toujours la même préparation, la même marche à suivre. Les questions sont directes, les demandes de renseignements attendues. Chaque membre du comité pose des questions à propos de ma spécialisation. Certaines sont plus prévisibles, quelques-unes pas si faciles à cerner. Je suis assis devant eux, à leur formuler des réponses concises, intelligentes. Ils me mettent à l'épreuve, remettent en question mes idées. Ici, pas d'assertions fausses, ni de propos suffisants. La littérature, nous sommes d'accord, est la science humaine par excellence, et l'enseignement, une profession noble. Je rassemble tout cela sans aucune formation en sciences. Ce sont mes juges, après tout. J'ai besoin de travail et eux de mes compétences. C'est eux qui m'ont convoqué en entrevue, n'est-ce pas? Ils ont dû voir quelque chose de significatif dans ma lettre de présentation ou mon curriculum vitae. J'explique comment numériser articles et livres, l'efficacité d'un logiciel de lecture écran pour me rattacher au monde. Et puis, silence. J'entends les mouches voler. Quelqu'un déplacer une feuille de papier. Je sens les étoiles suivre leurs orbites. Toutes les équations d'ordre économique s'avèrent inutiles. Toutes les théories politiques dépassées. J'attends. J'adore les mettre mal à l'aise. J'aime les faire chercher des expressions appropriées et des codes de conduite. Mais là encore, j'aimerais leur simplifier la tâche, j'aimerais leur dire ce qui est, dans les circonstances, politiquement correct. Je sais quelles questions ils veulent poser. Je connais celles qu'ils n'osent formuler. Je la connais, et eux aussi, et je me demande pourquoi personne ne cherche à savoir. Monsieur Asfour, pourquoi devrions-nous courir un risque avec un aveugle? Merci. Dernier poème, ça va être un texte. Oui, c'est bon. Un dernier texte, ça va? Oui, c'est bon. Que j'aime beaucoup les deux derniers textes du livre, et j'aime en particulier, mais j'ai déjà lu, donc je ne vous le relirai pas ce soir, mais j'aime bien Mediterranean Eyes, que j'ai intitulé en français Les yeux du midi. Je vais dire un dernier texte. Celui qui s'intitule en anglais A Shake Hand, something like that, une simple poignée de main, c'est pour Edward Said, le grand orientaliste que vous connaissez tous sans doute. Donnez-moi votre plume et pénétrez dans mon esprit. Prenez place dans un nouvel exil et écrivons à propos d'une poignée de main entre nous et nos pays, prêts à naître. Dictez vos mots et remplissez la page. Chuchotez à mon oreille. Racontez-moi comment meurt un rebelle, où un poème demeure vrai. Comment les mots marquent un nouveau tournant vers la liberté, érigent des frontières, bâtissent une maison et ouvrent une rue, hissent un drapeau sur chaque pelouse et s'inscrivent dans l'époque depuis les portes de l'Orient. Donnez-moi votre plume et laissez vos doigts se reposer. Laissez mes lèvres mimer les vôtres. Laissez-moi refaire tous les contrats, toutes les résolutions sur les rayons de l'ONU et dessiner une carte nouvelle. Placez Jérusalem au milieu de la Seine et expliquez-moi comment, en construisant le pays, vous avez rencontré la mort, repoussé sa vigueur, ralenti sa marche et comment vous vivrez dans les livres des esprits. Une vision sensée, un miracle, un passeport et, disons, des noces possibles à l'horizon, et une mariée enfilant une robe, un pays en train de naître les décombres, un peuple rompant toutes ses chaînes et détruisant les prisons. Ou alors, disons, comment vous êtes arrivés dans nos vies et avez tenu des banquets de l'esprit avec Joyce,
Conrad et Proust, avec Darwish et Al-Makoud, comment eux et vous êtes entrés en exil à seule fin de redéfinir notre écriture, un langage, de construire votre propre ville. Comment vous avez effacé tous les mensonges lancés contre vous, contre nous, sans le moindre soupçon de trame logique ou narrative pour constituer une insulte. Comment vous avez réfuté toute calomnie de notre histoire, remis l'ardoise à neuf et nous avez appris la fierté et à transformer chaque exil en une patrie, à nous saisir d'une image à brandir aussi longtemps que nous aurons la peau et les os. Vos couteaux affilés et huilés, vos mots, alchimie pour couper court à tout bavardage, vous avez fait le tour du monde pour dégager notre histoire, pour réinventer aux quatre coins l'idée de la paix. Vous nous avez montré à tenir compte de nos désirs, à ne pas craindre les feux de l'esprit et du corps, le désir de traverser les frontières sans contrôle, d'être libre, sans empreinte digitale ni profilage, sans nous retrouver avilis sur un écran ou à la une, le désir de lire, de comprendre et de marcher jusqu'au soleil.